Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde autour du sujet de la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les billets d'avion trop ou pas assez. Je suis Jean-Pierre Dantine, directeur de Enterprise for Society, I4S, et je souhaite une bienvenue à toutes et à tous, et en particulier, bien sûr, aux intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu et que je vais présenter tour à tour. La structure de cette présentation, des quelques mots d'introduction, c'est un petit peu les poupées russes. La première poupée, c'est I4S, Enterprise for Society, une initiative de l'université HEC, de l'IMD et de l'EPFL. I4S, Enterprise for Society, est un centre universitaire qui a pour mission de guider la transition vers une économie plus durable, plus résiliente, plus inclusive et de s'appuyer sur la technologie pour arriver à cet objectif. C'est un gros projet tout jeune, mais qu'il me prendrait trop de temps de décrire en détail. Je vous invite, pour ceux qui sont nouveaux dans nos activités, de visiter notre site web i4s.center. J'ajoute que c'est un centre universitaire qui veut travailler en étroite collaboration avec la société at large et avec le monde économique en particulier. Dans cette poupée, qui a déjà un certain embonpoint, s'est insérée une série de plateformes, comme nous les appelons. Il doit y en avoir à terme une vingtaine, qui sont des équipes de chercheurs travaillant sur les thématiques correspondantes, dont une de ces plateformes est intitulée Evidence-Based Environmental Policy Advice. Et cette plateforme, qui va être présentée dans un moment par Dominique Ronner, est elle-même une poupée russe qui abrite un projet, le projet sur la taxe sur les billets d'avion, qui vous être présenté par Philippe Thalmann dans quelques instants. La version préliminaire d'un white paper sur cette thématique a été distribuée aux différents intervenants qui auront l'occasion de réagir et qui ont accepté de le faire sur cette base. L'aviation est un sujet intéressant ou délicat. C'est un thème, en particulier parce qu'il n'y a pas de baguette magique, je dirais, parce qu'il n'y a pas de solution technologique immédiatement disponible pour à la fois répondre aux besoins et aux envies de consommation croissante et aux impératifs environnementaux. Et c'est au cœur de ce nexus que nous allons nous situer très certainement aujourd'hui. La structure de l'exposé est représentée par la slide que vous avez sous les yeux. Donc, on va commencer par la présentation du white paper et même en amont de la plateforme par Dominique Ronner. Puis, une petite mise en contexte de la discussion sur la taxe sur les billets d'avion, qui pourrait être une discussion générique, mais qui prend place en Suisse dans le contexte de la loi CO2 par Nicolas Horgland. Ensuite, la vision de l'industrie, la vision de la société ou des milieux académiques, la vision des milieux économiques de manière successive. Et enfin, la discussion qui sera ouverte aux questions-réponses de chacun. Sans plus attendre, je voudrais passer la parole à Dominique Ronner, professeur à l'école d'HEC, professeur d'économie d'économie politique et institutionnelle, et qui est un des membres de cette plateforme, un des co-leaders même de la plateforme Evidence-Based Environmental Policy Advice. Dominique, je te propose de mettre ta caméra pour que tu apparaisses sur l'écran. Merci beaucoup Jean-Pierre et merci beaucoup pour toute l'organisation de cette magnifique de ce magnifique débat panel. Alors, je voulais dire juste deux, trois mots sur notre plateforme où je suis co-leader justement avec Philippe Thalmann, qui va parler juste après moi. Donc, en quelque sorte, notre but, c'est de donner une analyse de questions d'importance politique qui se veut plein d'ouverture d'esprit, sans biais, et puis basée sur l'évidence scientifique.
Et puis, nos méthodes, c'est qu'on se focalise sur des questions, sur des méthodes scientifiques, notamment, par exemple, on utilise les statistiques et une analyse quantitative, des simulations. Et puis, ça nous paraît très important d'avoir cette voie indépendante. Nos salaires sont payés généreusement par les contribuables vaudois. Donc, nous, on n'a pas de biais, on n'a aucun intérêt financier propre, on veut simplement le bien de la société avec notre analyse. Et puis, donc, cette voie scientifique, bienveillante, neutre et non biaisée semble être très, très importante parce que le débat, souvent, sur plein de questions, est un tout petit peu dominé par des lobbies et puis par des personnes qui ont des intérêts propres à eux. Donc, cette plateforme, on fait des white papers. Donc, ça, c'est le premier white paper, mais il y aura plein qui vont suivre. Et puis, on va aussi organiser des workshops, des conférences et puis des séminaires dans une perspective de débat qui sera ouvert à tous, comme toujours. Voilà, je ne veux pas retarder plus le bon déroulement de ce panel. Donc, je passe tout de suite la parole à Philippe Thalmann, professeur à l'EPFL et qui est un peu le lead author de notre étude du white paper qui a fait le gros du travail. Philippe, la parole est à toi. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que ça fonctionne? On voit mes slides, on m'entend? Parfait. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. J'ai effectivement une quinzaine de minutes pour vous présenter quelques résultats de ce white paper qui est très riche. Beaucoup de gens ont contribué. À l'occasion, j'espère que vous pourrez le lire en entier. Pour l'instant, je vais surtout mettre l'accent sur ce qu'on a fait autour de la taxe sur les billets d'avion. Le contexte, est-il nécessaire de le rappeler, c'est que on a des émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien. Il se trouve que ces émissions ne sont pas comptées dans le bilan des émissions de la Suisse. Donc, les données officielles, ce sont 46,1 millions de tonnes plus 0,12 pour le transport aérien intérieur, qui fait partie de l'inventaire selon le système de Kyoto. Par contre, les 5,74 tonnes de CO2, millions de tonnes de CO2, bien sûr, sont des millions de tonnes qui sont liées aux ventes de kérosène en Suisse pour des vols partant à l'étranger, ce n'est pas compté. Mais clairement, ça fait partie de l'empreinte carbone de la Suisse. Et en plus, il faut savoir que ces émissions qui sont comptées en tonnes CO2 équivalent ne prennent pas en compte le vrai impact climatique des émissions de CO2 et d'autres particules par les avions dans la haute atmosphère. Dorénavant, on doit multiplier ces émissions de CO2 par 3 pour avoir un équivalent de forçage radiatif comparable avec le forçage radiatif, donc de réchauffement causé par les émissions en surface. Si on fait ça, on voit que la partie transport aérien représente finalement un gros morceau, jusqu'à 27% des émissions totales de la Suisse. Et non seulement c'est un grand morceau, mais c'est un morceau qui tend à augmenter. C'est la courbe en gris, là en bas, depuis 1990, alors que les émissions hors transport aérien ont gentiment commencé à baisser ces dernières années. On est en dessous du niveau de 1990, à peu près 16-17%. On devrait être à 20% en dessous, normalement, d'après la, pardon, oui, 20% d'après la loi. Si on additionne les deux, si on ajoute donc ce transport aérien avec forçage radiatif facteur 3, eh bien, on constate qu'on est pratiquement au même niveau qu'en 1990. Donc, on n'a pas fait grand-chose pour réduire notre empreinte carbone en tant que pays. C'est bon qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a bien sûr un certain nombre d'initiatives. Il y a l'initiative Corsia du secteur aérien qui prévoit de compenser les émissions, une partie des émissions de CO2, celles qui correspondent à l'accroissement par rapport à 1920. Donc, ce n'est pas un programme extrêmement ambitieux. Et surtout, il ne vise pas forcément à faire baisser les émissions. Il veut juste empêcher qu'ils continuent d'augmenter. Ensuite, au niveau de l'Union européenne, l'aviation est soumise au système d'échange des quotas d'émissions. Mais, excusez-moi, ah oui, pardon, voilà. Soumis au système d'échange des quotas d'émissions, mais c'est un plafond qui pèse très lentement et l'essentiel des quotas sont distribués gratuitement. La Suisse est rattachée à ça, ce qui veut dire que les vols internes à l'Europe ou à la Suisse sont dorénavant soumis à ce système. Par contre, ils échappent à la taxe sur le kérosène. Les vols intra-Suisse la payent, mais pas les vols de Suisse à Berlin, par exemple.
74 centimes par litre de kérosène. Il n'y a pas non plus la taxe CO2 hein, sur le kérosène qui correspondrait à 24 centimes au tarif actuel de la taxe CO2. Il n'y a même pas la TVA pour ces vols partant à l'étranger. Et donc, ce n'est pas vraiment une grande surprise que le Parlement ait décidé de faire quelque chose et il le fait dans le cadre de la nouvelle loi sur le CO2 sur laquelle nous allons voter le 13 juin, une taxe sur les billets d'avion qui peut s'échelonner entre 30 et 120 francs. Elle va s'appliquer au vol au départ de la Suisse sans les passagers en transfert, bien sûr. Et il est prévu qu'à peu près la moitié de la recette soit redistribuée à la population et l'autre moitié va dans un fonds pour le climat qui permettra, entre autres, entre beaucoup d'autres choses, de subventionner le développement des carburants alternatifs pour l'aviation. Cette taxe sur les billets d'avion, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement original. Il y a d'autres pays qui l'ont, notamment le Royaume-Uni a une taxe relativement élevée. La France, l'Allemagne, l'Italie ont des taxes, l'Autriche, donc nos voisins directs ont une taxe sur les billets d'avion. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est nos simulations des effets prévisibles de la taxe sur les billets d'avion. Et nous l'avons fait, ces simulations, nous avons fait avec un modèle assez simple, qui est un modèle dynamique, qui décrit la période 2018-2050. Il est calibré sur principalement 2018, parce que quand on a commencé, on avait les données de passagers et de vols correspondant à cette année-là. En même temps, c'est bien une période pré-Covid, hein, faudra toujours avoir ça à l'esprit. Dans ce modèle, la quantité de transport correspond à la demande. Ça veut dire que pour que les déplacements ou le transport diminuent, et donc les émissions aussi, il faut que la demande diminue, ce qu'on obtient à travers justement un renchérissement du prix des billets d'avion à travers la taxe. Et l'impact de ce renchérissement sur la demande passe par ce qu'on appelle l'élasticité de la demande. Je vous donnerai tout à l'heure des chiffres et une explication. Sur cette période 2018-2050, nous supposons que la demande augmente de 2,5% par année, ce qui est relativement peu par rapport à ce qu'on a vu avant la crise Covid, mais ça paraît plausible pour la période post-Covid. Et puis, nous supposons en plus que l'efficacité énergétique va augmenter d'un 5% par an. Donc, vous voyez que c'est un modèle extrêmement simple. Et encore, dernière hypothèse, mais très importante, c'est que le prix après introduction de la taxe, c'est un prix sans taxe plus la taxe. Ça a l'air d'être trivial, mais ça ne l'est pas. On pourrait imaginer qu'une taxe de 30 francs sur un vol courte distance soit répercutée qu'en partie sur le billet, même si la compagnie aérienne devra payer 30 francs à l'autorité d'administration, elle n'est pas obligée d'augmenter le prix de 30 francs. Mais nous faisons cette hypothèse qu'il y a une répercussion un pour un de la taxe sur les prix des billets. Notez encore la répartition des passagers par segment. Pour nous, les segments, c'est déjà une distinction entre la classe économie et la classe premium. Et puis ensuite, en termes de parcours, courte distance, longue distance, et puis longue distance via un hub. La répartition pourcentage du transport, en distinguant encore entre motifs personnels et motifs professionnels, ce qui a une importance par rapport aux élasticités de la demande, eh bien, on voit que l'essentiel des déplacements se font en classe économie courte distance. C'est la grande majorité des vols, suivi pour des raisons personnelles, pardon. Si on ajoute encore les vols pour des raisons professionnelles, c'est clairement le plus grand segment. Par contre, ce n'est pas forcément le segment le plus important en ce qui concerne les émissions de CO2, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ces fameuses élasticités, très importantes, donc mes collègues ont fait un travail vraiment très poussé pour tenter de trouver des chiffres sur la base de la littérature et ils proposent ces élasticités. Alors, le segment le plus important, c'est celui-là, élasticité moins 1,2 dans une estimation basse, 2,1 dans une estimation haute, moins 1,2 comme élasticité, ça signifie que si le prix augmentait de 10%, eh bien la demande baisserait, signe moins, de 1,2 fois ces 10%, donc de 12%. Avec une élasticité de 2, on verrait même une baisse de la demande de 20% si le prix augmente de 10%. Donc, on a quand même une sensibilité assez élevée qui est plus faible à mesure qu'on va dans la longue distance et puis qu'on va vers les classes premium. Les émissions de CO2, j'en ai parlé. Alors, nous avons identifié un certain nombre de destinations les plus importantes et sur cette base, on peut simuler une sorte de parcours moyen pour la courte distance, pour la longue distance via un hub et la longue distance directe, les vols de longue distance directe. Et on peut associer des émissions de CO2 toujours avec ce facteur 3. Ces émissions correspondraient donc à 326 kg pour un parcours courte distance en économie, 489 en classe premium parce que ça prend plus de place. Et puis voilà les valeurs correspondantes. C'est un peu le genre de chiffres que vous obtenez avec MyClimate si vous voulez compenser
sauf que nous avons utilisé des bases de données un peu plus sophistiquées pour trouver ces chiffres. Ce que j'aimerais surtout mettre en évidence, c'est cette partie-là du tableau où les émissions sont exprimées par rapport à la référence du short-haul economy. Donc, si short-haul economy, c'est 1, un déplacement courte distance en premium, c'est déjà 50% d'émissions en plus. Un déplacement longue distance direct en économie, c'est 5 fois plus d'émissions. Et longue distance premium, c'est 15 fois plus d'émissions. Et les chiffres en parenthèse correspondent aux tarifs prévus de la taxe sur les billets d'avion, hein, dans la nouvelle loi, qui va de 30 francs à 120 francs, donc un facteur 4 pour ces vols longue distance premium, alors que les émissions correspondantes sont à peu près 16 fois plus importantes. Par contre, le facteur 2, 30, 60 pour les courtes distances, du point de vue des émissions, il est un peu exagéré. Un vol courte distance en premium ne représente pas le double des émissions de CO2 d'un vol courte distance en économie. Donc, de ce point de vue-là, la taxe sur les billets d'avion reflète assez mal la réalité sous-jacente des émissions correspondantes. Alors, ça, c'est important quand on regarde la répartition, cette fois, pas des passagers ou des vols, mais des émissions, hein, puisque les vols longue distance, par rapport aux facteurs que je vous ai donné tout à l'heure, représentent des émissions beaucoup plus importantes. On trouve que les émissions longue distance en économie, ça représente 38%. Si on ajoute les émissions longue distance en économie via un hub, on arrive à 45% d'émissions qui sont causées par des vols longue distance en économie, donc direct ou indirect, qui émettent 5 à 6 fois plus que les vols à courte distance, alors qu'ils ne payent que 3 fois le montant de la taxe, 90 francs au lieu de 30 francs par billet. Et puis après, il y a encore ce segment des vols longue distance en premium, direct ou via un hub. Ceux-ci en violet, ensemble, ça fait 14%. Ce sont des vols qui émettent jusqu'à 15 à 17 fois plus que les vols courte distance en économie, donc par rapport à la référence qui est taxée à 30 francs, mais ils ne payent que 4 fois, ils ne payent que 120 francs le vol. Donc vraiment, on est très, très loin de refléter la réalité des émissions. Et c'est embêtant parce que ce sont des segments qui sont importants par rapport aux émissions globales du transport aérien. Voilà, alors maintenant les tarifs pour une taxe sur les billets d'avion, je vous ai déjà parlé de ce qui est prévu dans l'ordonnance, en fait, qui est en consultation actuellement, qui accompagne la nouvelle loi. Donc ça va de 30 francs pour courte distance en économie jusqu'à 120 francs. En fait, la règle, c'est que c'est 30 francs courte distance, 60 moyenne distance, 90 francs longue distance en économie, et puis chaque fois plus 30 francs en premium. Ce qui ne peut pas être juste, puisqu'on a bien vu que l'augmentation des émissions n'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de simplement proportionnel. Voilà. Donc, le premier scénario, ça va être celui de la taxe CO2, pardon, de la loi sur le CO2, excusez-moi. Nous avons aussi simulé le tarif anglais. Vous avez vu tout à l'heure que c'est un tarif qui existe déjà, une taxe sur les billets d'avion qui existe déjà et qui est relativement élevée, en équivalent franc-suisse. Ça correspond à moins pour les vols courte distance en économie, l'équivalent de 17 francs suisses, mais ça monte jusqu'à 234 francs pour le premium longue distance. Donc là, le gradient correspond plus à la réalité des émissions. Et puis finalement, je vous montrerai encore une simulation qui applique la taxe existante sur le CO2, les 96 francs par tonne que nous payons sur l'huile de chauffage, le gaz naturel, etc. Si on l'appliquait au kérosène, et kérosène émission multipliée par 3, puisqu'il y a ce facteur radiatif de 3, eh bien, on aurait en fait une taxe d'à peu près de 30 francs pour le short haul en économie. Donc, ce chiffre-là, il est juste, cette taxe, elle est juste. J'ai déjà montré qu'il est en fait trop élevé pour la classe premium à courte distance. Par contre, on aurait des tarifs, bien sûr, beaucoup plus élevés pour les vols longue distance, en particulier en classe premium. On devrait aller jusqu'à peu près 500 francs sur un billet d'avion longue distance classe premium. Alors, si on faisait ça, si on avait ce tarif beaucoup plus progressif, eh bien, on aurait un impact beaucoup plus élevé sur le nombre de passagers et sur les émissions. Ce qui est prévu dans la loi sur le CO2, c'est uniquement 21% de réduction du nombre. Enfin, ça impliquerait 21% de réduction du nombre de passagers et 16% de baisse des émissions. Notez qu'on a toujours cette inégalité entre le nombre de passagers et les émissions parce que tous ces tarifs ont tendance à sous-taxer les vols les plus émetteurs, les plus polluants. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu dommage parce qu'on décourage, avec la taxe sur les billets d'avion, on décourage plus les déplacements en avion que les émissions, alors qu'on aimerait plutôt faire l'inverse, on aimerait plutôt décourager les émissions et pas forcément la mobilité. Il y a beaucoup plus de détails dans le papier, mais pour l'instant, je voulais juste encore mettre en évidence une estimation des revenus de cette taxe sur les billets d'avion.
on l'estime à peu près à 971 millions de francs, avec l'hypothèse des élasticités hautes, donc qui correspond peut-être à une réalité post-Covid. 971, si on avait une taxe comparable à la taxe sur le CO2, on serait à 1,3 milliard, qui correspond d'ailleurs à la recette de la taxe CO2 existante. Donc, on pourrait doubler la recette de la taxe CO2, on aurait de quoi subventionner, encourager beaucoup de choses. Notez encore que finalement, l'impact sur les émissions est assez proche. On est entre 13% et 20%, ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas des ordres de grandeur de différence. C'est finalement assez similaire. J'arrive bientôt à la fin de mon exposé pour vous dire que dans le papier, nous avons encore examiné d'autres mesures que la taxe sur les billets d'avion, mais pas dans le même degré de détail, sans simulation, simplement pour apprécier ces mesures. Et nous avons organisé selon l'impact, le levier à travers lequel ces mesures peuvent impacter les émissions de CO2. Il y a le levier, évidemment, de la mobilité elle-même, qu'on peut affecter via la demande et via l'offre, mais il y a aussi des leviers plus organisationnels ou technologiques, c'est-à-dire les émissions dépendent aussi du nombre d'avions et de la masse de ces avions et de la manière dont ces avions sont remplis. Donc ça, c'est un facteur sur lequel on peut aussi travailler. Les compagnies aériennes le font déjà, elles essaient d'optimiser ça, bien sûr. Et puis finalement, les émissions par avion, puisque là, on parle d'augmentation d'efficacité énergétique des avions, mais aussi de carburant alternatif à moindre impact CO2, etc. Et en termes de mesures, bien, nous avons chaque fois tenté d'évoquer des mesures sur base volontaire, en soft law, si vous voulez, des mesures plus strictes de réglementation, des mesures qui sont de type quantitative et des mesures qui sont de type prix, comme la taxe sur les billets d'avion, etc. Pour conclure, donc la taxe sur les billets d'avion peut réduire la demande de transport aérien si elle est bien conçue. Elle peut avoir un impact. Elle n'est pas très, très, très bien conçue, malheureusement, dans le projet dans la loi déjà et l'ordonnance. La taxe telle qu'elle est prévue pourrait réduire la demande de 10 à 16%. 10 à 16, c'est la fourchette selon notre fourchette d'élasticité de la demande. Alors, cette fourchette, ces 16%, ça correspond à peu près à 5 ans de croissance de la demande telle qu'on la connaissait avant la crise Covid, qui était d'à peu près 3,5% par année. Si la taxe avait été mise en place en 2019, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse auraient été au mieux, donc ça veut dire avec élasticité haute, auraient été plus faibles de 4%, et la part du transport aérien dans ces émissions, donc y compris le transport aérien, aurait été de 24% au lieu de 27%. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même déjà un petit peu mieux. Puis finalement, idéalement, il faudrait assez rapidement réviser le tarif de la taxe pour qu'il reflète mieux les émissions de chacun des vols et aussi des classes dans lesquelles les gens volent, avec une fourchette qui irait cette fois de 30 jusqu'à 500 francs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe pour cet exposé clair et qui résume évidemment beaucoup de choses qui sont dans le papier, que j'encourage tout le monde à lire dès qu'il sera sur notre site, ce qui ne devrait pas tarder. Et je cède tout de suite la parole à Julian Cook, qui va nous donner une première réaction venant de l'industrie. Julian Cook a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation. Il est le plus connu probablement chez nous pour avoir fondé Flybabou à Genève en 2003, dont il était le CEO jusqu'en 2008 et président jusqu'en 2011. Il a ensuite été actif dans une société de leasing d'avions, une des sociétés les plus importantes dans le domaine au monde, avant de fonder en 2016 Flybondi, la première compagnie low cost en Argentine qui détient aujourd'hui 10% du marché. Il est aujourd'hui actif dans un fonds ATCA Capital qui gère des investissements dans le secteur de l'aviation. Julian Cook, vous êtes là, vous pouvez y aller et partager votre écran. Oui, alors je vais partager mon écran. Voici ce que vous voyez. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Bon. Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Je n'habite plus en Suisse, je suis basé à Londres, mais enfin, ça me fait plaisir de participer à ce débat. Et pour peut-être débuter, je pense que la question qui a été posée pour cette table ronde, est-ce que c'est trop ou pas assez ? Moi, je pense que ce n'est pas la bonne question. On peut débattre, vous avez fait des études d'analyse d'élasticité très intéressante, mais je pense que pour moi, la base fondamentale, c'est que je pense que ce projet est faux et on traite le problème avec une solution qui est mauvaise.
Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, pour moi, elle n'incite pas les compagnies à réduire leur empreinte de CO2, puisque aujourd'hui, on dit qu'on va taxer 30 francs jusqu'à 120 francs d'un passager qui vole sur un avion peut-être très économique comme un 787-9, qui est donc la nouvelle génération d'avions, ou qui vole sur un 747-400, qui est un avion qui a une trentaine d'années. Et donc, pourquoi taxer le passager alors que finalement, c'est la compagnie aérienne qui peut décider d'acheter des avions plus récents et qui sont plus efficaces, qui consomment moins? Et pour moi, ça doit aller dans ce sens-là. Je trouve qu'un objectif qui vise à la décroissance, je trouve ça très négatif personnellement. Je ne pense pas que ce soit ma vision du progrès et je ne pense pas que ce soit une vision personnellement pour la Suisse et pour le monde. Et donc, en plus, vous avez fait effectivement ces analyses d'élasticité, mais j'ai vu sur le tableau qu'en fait, dépendant de quelle... La fourchette est du simple au double. Donc, on peut imaginer que 30 francs peut avoir un effet peut-être deux fois pire qu'au niveau de la réduction du trafic que ce qu'on voudrait. Je crois que vous l'avez bien mentionné, elle est inégale, puisque pour les courts courriers, on est à 30 francs, 120 francs pour le long courrier. Et puis, franchement, 120 francs pour un long courrier business, ça ne va rien changer. Le passager qui paye 5000 francs pour aller à Los Angeles ou à New York en business, si c'est 5120 ou 5000, ça ne va rien changer sur la demande, à mon avis. Ensuite, je crois qu'il y a un point important sur le white paper. Vous parlez d'un prix moyen de 155 francs, je crois que c'était, pour un aller simple court courrier. Alors, je sais que vous avez fait des études, etc., mais je pense qu'il ne faut pas. Je pense que ce tarif est surévalué. Et je pense que si on regarde, vous prenez le bilan, enfin le rapport annuel de compagnies telles que EasyJet, Ryanair et autres, vous verrez que leur tarif moyen, il est entre 45 et 60 francs. Donc, de mettre une taxe de 30 francs, on parle pas loin de doubler, enfin de 80% de plus, mais en tout cas 50% de plus du tarif moyen que ces compagnies peuvent offrir à leurs passagers. Et je sais que certaines personnes vont dire on ne devrait pas voler pour 30 francs. Moi, je leur dirais pourquoi, alors que c'est des compagnies qui sont rentables, qui sont bien plus rentables que les compagnies traditionnelles qui vous facturent trois fois plus. Ils n'ont pas eu besoin pendant cette période de Covid d'aide de l'État, puisque de nouveau Suisse a eu 1 milliard du gouvernement suisse en tant qu'emprunt. Ce n'est pas le cas des compagnies low cost. Et pour terminer sur cette page, je trouve que le white paper manque de présenter certains effets qui vont être très pervers de cette taxe, notamment la réduction de la desserte. Quand vous mettez 30 francs de plus sur un billet d'avion, la demande sur certaines destinations va diminuer et une compagnie va décider j'ai plus la demande et donc je vais arrêter de voler ce vol direct. Et l'impact de ça, ça va être quoi? Si on arrête, pour dire Genève-Florence, les passagers vont faire quoi? Ils ne vont pas prendre le train de nuit comme vous le proposez. Je pense que c'est illusoire. Ils vont faire quoi? Certains vont faire un vol indirect. Ils vont passer par Francfort, ils vont passer par Milan. Et donc, ils vont prendre deux vols qui, à mon avis, sont plus polluants qu'un vol direct. Et beaucoup vont utiliser la voiture. Et la voiture, à moins d'être quatre dans une voiture, on pollue beaucoup plus qu'en avion. Et ensuite, il n'y a rien non plus qui a été évoqué par rapport à l'impact négatif sur l'économie suisse. Aujourd'hui, si moi j'habite à Londres, beaucoup d'Anglais viennent skier en Suisse. Vous rajoutez 30 francs par billet. La Suisse a déjà un problème par rapport à sa monnaie, qui est très forte. La BNS dépense des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards, pour essayer de garder le franc suisse à un certain niveau par rapport à l'euro. Et là, on fait en fait l'impact va être, on va dans le sens contraire, puisqu'on va inciter les touristes d'aller skier en France, parce qu'ils peuvent aller dans les Alpes françaises, et payer pour une famille de quatre, ils auront une économie de 150 francs, 120 francs. Et finalement, il n'y a rien qui a été mentionné sur le Covid. Il faut savoir que je pense que le timing ne peut pas être pire par rapport à l'industrie aujourd'hui.
sachant qu'aujourd'hui en Europe, on est à peu près à -85, -90% de trafic par rapport à avant Covid. Et on peut, beaucoup de gens parlent de 2, 3, 4 ans avant qu'on revienne au niveau de 2019. Donc, je pense que c'est important de prendre ça en compte et introduire cette taxe avant qu'on retrouve les niveaux de 2019 serait, à mon avis, une grosse erreur. Alors, pour parler, j'ai peut-être beaucoup critiqué, moi j'aimerais proposer quelque chose. C'est justement de regarder quelque chose peut-être un peu plus positif, et de dire, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies en avion. Les avions de nouvelles technologies consomment entre 15 et 20%, 15% pour le court courrier, 20% pour le long courrier, de moins que la génération précédente. J'ai accès à une source qui s'appelle OAG, qui vous donne en fait tous les vols. J'ai pris tous les vols en 2019 depuis la Suisse et vers la Suisse. Et seulement 16% des vols étaient effectués avec des avions de nouvelle génération. Donc ça veut dire qu'on a 84% des vols en 2019 qui étaient avec des avions qui consomment entre 15 et 20% de plus que ce qu'on pourrait, parce que cette technologie existe. Et donc, pour reprendre un exemple, j'ai pris un Zurich-Buenos Aires, Edelweiss l'opère avec un 340-300. Il pourrait l'opérer avec un 787-9. Et la consommation de carburant serait presque 20%, 19% en dessous. Donc, ça représente quand même un montant important. Et si on prend tout le trafic que j'ai analysé, moi j'arrive à peu près 250 000 tonnes de kérosène par année de diminution. Il faudrait comparer les chiffres, parce que j'ai entendu les chiffres tout à l'heure de Philippe et je ne suis pas sûr qu'on est sur la même page. Mais toujours est-il que si vous regardez entre 15 et 20% d'économie, on arrive à, entre le court courrier et le moyen courrier, le long courrier à environ 16-17%. Ça revient en fait aux 16% que vous avez évoqué pour l'impact de la taxe. Donc, à mon avis, on pourrait arriver au même résultat sans avoir besoin de baisser le trafic. Alors, ma proposition, ou je pense que le sens dans lequel il faudra aller, c'est fixer un objectif à 3 ans, 5 ans, je ne sais pas quel est le chiffre correct, mais inciter les compagnies à utiliser des avions qui polluent moins, leur donne un objectif, comme en Angleterre, le gouvernement a dit à 2030, je crois qu'ils veulent que des voitures électriques. On n'a qu'à dire, dans 5 ans, on veut que des avions de nouvelle génération en Suisse, qui volent en Suisse, donc qui viennent en Suisse. Et donc, pour ceux qui n'adhèrent pas à ça, ben, soit on les taxe fortement, et c'est très facile, à mon avis, de fixer un barème qui correspond un peu en fait à la taxe fuel, mais sans avoir cet effet, du problème d'harmonisation avec l'Europe. Et donc, ce problème de tankering, où les compagnies pourraient en fait prendre du fuel dans les escales. Tout simplement en disant, ben voilà, un avion X qui consomme, qui a une consommation élevée, et on peut multiplier ça par le vol, la distance, on aurait une taxe sur cet avion qui serait justement en accord avec sa pollution. Et finalement, ce qui pour moi me dérange aussi, c'est qu'on dit on va récolter, je sais pas, 1 milliard ou quelque chose comme ça, on va donner 50% qui va tomber dans le pot, je dirais, des recettes de l'État, et l'autre 50% pour un fonds environnement. Il n'y a pas grand-chose de très clair là-dedans. Pourquoi pas vraiment créer un pôle d'innovation pour les technologies vertes et qu'on ait vraiment, je dirais, que la Suisse rayonne sur le plan mondial avec, je serais très ravi dans quelques années d'avoir la Suisse comme le pays qui a découvert justement la technologie pour qu'on puisse avoir des vols écologiques. Donc voilà, pour conclure, je sais que j'étais peut-être un peu trop long, mais pour moi, la vision, c'est la question, elle est vraiment, qu'est-ce qu'on veut comme vision pour ce pays, pour la Suisse? Moi, j'habite en Angleterre et j'ai un regard forcément depuis l'Angleterre en tant que Suisse à Londres. Et pour moi, la taxe proposée, c'est une vision d'un pays rétrograde
alors que je pense qu'on peut avoir une vision d'un pays qui est leader, qui va dans le sens justement de quelque chose de positif, où on incite les compagnies à réduire leurs émissions et on incite le pays à découvrir les nouvelles technologies. Je pense que je vais terminer juste sur une chose, c'est... ça m'a rappelé, en fait, il y a une dizaine d'années, ou plus peut-être, j'avais rencontré Bertrand Piccard, et tout le monde connaît aujourd'hui le projet de Solar Impulse, et il m'avait raconté qu'en fait, au début, ce projet, il voulait appeler Swiss Revolution. Il voulait justement que ce soit un projet suisse. Il a été voir les autorités, il a été voir les compagnies suisses, et personne ne lui a donné de l'argent. Et donc, il a été voir, finalement, je crois que c'est des compagnies comme... Je ne sais plus qui il y avait, mais enfin, c'est que les compagnies étrangères qui lui ont donné de l'argent, et il a appelé ça Solar Impulse. Eh bien, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'était une opportunité pour la Suisse de rayonner dans ce domaine de l'innovation, de faire un vol solaire à travers le monde, et on a perdu cette opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, de nouveau, on a une autre opportunité, et j'espère qu'on va prendre le bon chemin. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Julian Cook. Merci pour ce message très, très clair. Je voudrais revenir en arrière et donner la parole à Nikolai Orglan, que j'ai laissé de côté, mais par erreur. Donc, on va un petit peu alterner et on revient vers la problématique de pourquoi cette taxe, et c'est un peu peut-être une réponse à Julian Cook, c'est pourquoi cette taxe fait partie de la loi sur le CO2, quelle est la genèse de ce projet. Nikolai, tu peux aller prendre... Parfait. Oui. Voilà. On va voir. On voit mes slides. C'est bon. Parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Nikolai Orglund. Moi, je suis jeune diplômé de l'EPFL. J'ai diplômé maintenant à Noël. Et je suis consultant pour l'Agence internationale de l'énergie. Mais ici, je parle avec mon avis personnel, alors pas dans ma fonction de mon employeur actuel. Pendant mes études à l'EPFL, j'ai fait un projet de semestre exactement sur cette taxe sur les billets d'avion avec professeur Talman qui a un peu donné naissance à cette idée du white paper après. Et moi, je suis aussi activement politique. Pendant mes études, j'ai aidé le groupe Vert Libéral au Conseil national dans le contexte de la loi CO2. Et c'est aussi avec cette expérience que je vais vous donner un peu de contexte avec l'idée politique d'introduire une taxe sur les billets d'avion. Je suis aussi suisse-allemand, j'ai grandi à Appenzell Rodextérieur, alors vous voulez excuser mes erreurs en français. Alors ce que vous voyez ici, c'est le communiqué de presse de la Commission d'environnement du Conseil d'État qui date de août 2019. Et ça, c'est la première référence qu'on a où le Parlement suisse, une chambre du Parlement suisse, a vraiment voulu introduire une taxe sur les billets d'avion. Et je pense que c'est intéressant de regarder un peu le communiqué de presse de 2019 pour comprendre les raisons, en fait, pour qu'ils ont décidé cette solution. Et si nous regardons ensemble un peu le communiqué de presse alors, de août, on peut voir ici, j'ai marqué en bleu, que ce qui était important pour la Commission, c'est d'avoir un seuil minimum de 30 francs pour la taxation des billets. Et l'idée, c'était que si on a une taxe qui est moins de 30 francs, ça va avoir presque aucun impact, surtout sur le vol à courte distance. Et ce qu'on voit ici, en lisant ce communiqué de presse, que le but de cette taxe est vraiment axé sur les vols à courte distance qui représentent, comme le communiqué cite ici en bas, 80% des vols. Du coup, l'idée de la Commission d'environnement du Conseil d'État, c'était que de réduire au moins la grande majorité des vols qui sont à courte distance et qui peuvent être substitués en théorie avec le train. Du coup, ça, c'est l'idée originale de cette taxe sur les billets d'avion. Et si je peux ajouter mon opinion personnelle, c'est que moi, je pense que c'était aussi un peu d'intelligence politique. Alors, c'est la première fois qu'une commission d'environnement du Parlement a proposé une taxe sur les billets d'avion et de fixer cette
taxe à un maximum de 120 francs. C'était beaucoup d'intelligence politique de ne pas aussi faire peur d'avoir une taxe trop élevée. Alors, après la présentation de professeur Perlman que vous avez vu, qu'on devrait augmenter la taxe bien plus à 120 francs pour les voilà, longs courriers, surtout dans les classes premium. Je suis totalement d'accord avec cet avis-là. Mais c'est aussi un message politique qui est difficile à comprendre. Quand vous proposez de faire une taxe jusqu'à 500 francs pour un billet d'avion, alors, comme citoyen normal, vous pensez, est-ce que mon vol va coûter jusqu'à 500 francs? Alors que peut-être c'est un citoyen normal qui ne va jamais voler en classe premium. Alors, voilà le communiqué de presse de 2019. Et il y avait aussi, cette proposition a été acceptée par le Conseil des États, alors là, le Sénat suisse, et après passé dans le Conseil national. Et je vais juste vous montrer qu'il y avait des propositions aussi pour changer cette taxe. Alors, il y avait des propositions pour la supprimer et avoir aucune taxe aussi. Mais ce que vous voyez ici, c'était une proposition minoritaire qui n'a pas été acceptée. Mais c'était de justement essayer d'augmenter le prix maximal de la taxe au-dessus de 120 francs. Mais elle n'a pas été acceptée. Et là, je veux juste vous montrer la présentation officielle du Conseil fédéral maintenant pour la votation sur la loi CO2 et sur la partie de la taxe des billets d'avion. Alors, vous l'avez vu que le 50% de cette taxe va être redistribuée à la population. Alors, ça correspond à 60 francs par habitant. Et ce qui est très intéressant, vu qu'une minorité de la population utilise l'avion très souvent, c'est juste 10% de la population qui va devoir payer plus qu'aujourd'hui avec ce modèle de la redistribution. Et ce qu'on a aussi, c'est ici marqué en vert, alors c'est ce fameux fonds pour le climat. Et dans ce fonds pour le climat, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des différentes mesures qui sont prévues pour réduire nos émissions de CO2, mais aussi dans l'adaptation au changement climatique et aussi promouvoir l'innovation technologique qui peut être bien pour le climat. Et ce qui est aussi, et dans ce fonds du climat, c'est aussi prévu que l'argent va être investi dans l'aviation durable, dans les nouvelles technologies de l'aviation du futur. Et c'était aussi une condition posée par des groupes parlementaires de la droite que si on a un fonds du climat qui est alimenté avec l'argent de la taxe sur les billets d'avion, ce fonds du climat doit aussi investir au moins une partie dans l'aviation durable. Et comme professeur Taman vous a aussi montré, le Conseil fédéral a aussi déjà commencé la consultation sur l'ordonnance de la loi CO2, alors où le Conseil fédéral décide exactement quel montant vous allez payer pour votre prochain vol. Et c'est actuellement, c'est 30 francs pour les vols court courrier, 60 francs pour les vols moyen courrier et 90 francs pour les vols long courrier. Et si vous voyagez en classe supérieure, vous payez un surplus de 30 francs. Alors ça, c'est le projet d'ordonnance et de loi comment le présente le Conseil fédéral. Ça, c'est un peu le contexte politique que j'ai voulu vous donner. Je réponds aussi à vos questions dans le débat après. Et je veux juste vous, du point de vue d'ingénieur aussi, vous montrer un petit slide sur l'aviation du futur. Alors, on parle beaucoup de kérosène synthétique, kérosène vert, hydrogène du futur. Et je veux juste montrer si on veut remplacer toute la consommation de kérosène de l'aviation dans l'Union européenne aujourd'hui, ce qui est cette partie en bleu, on devrait utiliser toutes les ressources d'électricité renouvelables aujourd'hui uniquement dans le but de produire du kérosène pour l'aviation. Alors, même si on peut avoir du kérosène vert, il faut savoir que l'aviation est quelque chose de très, très énergivore. Voilà, ça c'était mon intervention et je suis ouvert à vos questions
plus tard. Merci Nicolas et merci beaucoup. Nous passons d'abord à la réaction de Jean-Marc Thévenin, la vision de l'industrie. Jean-Marc Thévenin est à la tête d'EasyJet Switzerland depuis 1999. Il est aussi pilote et commandant de bord sur Airbus, donc on a vraiment quelqu'un qui connaît le domaine et il a contribué à la croissance d'EasyJet qui est aujourd'hui numéro 2 en Suisse et numéro 1 à Genève et à Bâle. Monsieur Thévenin, je vous donne la parole. Merci et merci pour l'invitation à ce panel. Alors j'aimerais revenir un tout petit peu, évidemment, je n'ai pas de présentation particulière à vous montrer, je vais vous expliquer et donner mon opinion sur ce que j'ai pu lire et entendre sur ces différents documents qu'on nous a fournis. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le livre blanc. Le livre blanc est censé être un outil d'information qui est censé être objectif et factuel. Il nous a dit qu'effectivement, les auteurs n'avaient eu aucune pression pour faire un document absolument neutre. Le but étant d'expliquer un problème complexe et donner des réponses plutôt simples, de façon vulgarisée, pour que tout le monde puisse comprendre. Malheureusement, personnellement, je trouve que, comme souvent, l'objectivité d'un livre blanc est discutable. Et même si je comprends que les auteurs n'ont pas d'intérêts commerciaux, il n'en demeure pas moins que l'exposé des faits et les recommandations qui sont faites ne sont pas toujours très objectives parce qu'elles sont à parti pris au départ. Donc je pense qu'il serait déjà intéressant de comprendre la genèse de ce document qui nous a été expliqué, est parti du fait que l'aviation, et on en est tous conscients, pollue et qu'il faut effectivement prendre des mesures à terme de façon à rendre l'aviation décarbonée, c'est-à-dire qu'il faut enlever le carbone de l'aviation. Mais il faut prendre des chiffres justes déjà au départ parce qu'il faut comprendre de quoi on cause. Et malheureusement, typiquement, dans le livre blanc, déjà au départ, on prend les ventes de carburant de kérosène dans les aéroports qu'on répartit sur le territoire helvétique. Parce qu'effectivement, c'est plus simple. C'est facile à faire. Et puis, on a essayé de comparer finalement la consommation des avions qui ont finalement une autonomie largement supérieure au territoire helvétique. On les remet finalement à comparer au transport terrestre, voiture, au chauffage des immeubles, etc. Qui, eux, effectivement, ont un vrai rapport avec le territoire helvétique. Sauf qu'un avion qui décolle de Genève pour aller à New York, il va brûler son kérosène pendant 2 minutes sur le territoire helvétique. Mais on va prendre 8 heures de compensation carbone sur le territoire helvétique, sans penser finalement à son étendue, parce qu'on prend le uplift, le carburant qui a été embarqué. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres qui sont aussi qui sont importants, disons, l'aviation, c'est 20 ou 25%. Parce que c'est pour ça qu'il faut faire, évidemment. Mais voilà, on a pris un modèle au départ qui dénote finalement cet état de fait. Et à partir de là, on construit un document qui, par définition, nous dit qu'il faut diminuer finalement l'intégration des produits carbonés de l'aviation. Mais on ne prend pas compte, et c'est une volonté délibérée des auteurs, de dire que l'aviation va évoluer. La seule chose qu'on prend en compte, c'est 1,5% d'amélioration annuelle, parce qu'au niveau aérodynamique, au niveau de certaines améliorations, on va finalement améliorer les émissions d'1,5%. Alors qu'on est à un moment de changement fondamental dans l'appréciation des motorisations et de l'aérodynamique des avions, et on vise 2050, on ne vise pas 2022. Je pourrais comprendre qu'en 2022, on n'aura pas la solution. Mais en 2050, et je peux vous dire que nous travaillons très très proche avec Airbus Industrie, de même qu'avec Wright Electric, où les motorisations, elles ne seront pas forcément complètement décarbonées, mais nous en serons pas très loin en 2050. Or, on ne tient pas compte de ce type de progrès dans l'aviation et surtout, on ne se donne pas les moyens d'y arriver avec une taxe, qui est évidemment le point fondamental. Donc, je pense que c'est dommage de partir avec un postulat en disant, en gros, la seule chose qui va pouvoir améliorer la situation, c'est la décroissance. En gros, il faut diminuer le nombre de vols,
faut diminuer le nombre de passagers, et c'est ceci qui amènera finalement une meilleure situation au niveau des CO2. Alors, c'est pour ça qu'il va changer la donne. Ce n'est pas en culpabilisant le passager, en faisant en fait que finalement il voyagera moins, que nous aurons les émissions de carbone qui seront améliorées. Et c'est là la problématique de l'imposition d'une taxe. Mais si on part avec ce postulat, en le mettant numéro 1, il est listé en numéro 1 dans le white paper, et on met en numéro 5 les améliorations technologiques, par défaut, on va forcément arriver à la situation de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer le trafic, et on va discuter d'élasticité et de la demande et des prix. Et je pense que c'est une fausse approche. Ce n'est pas par ce biais-là qu'il faut commencer, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'aviation demain soit propre, et non pas que c'est la taxe qu'il faut imposer pour qu'on n'aille plus. Donc l'approche me paraît un tout petit peu biaisée, et c'est un tout petit peu dommage par rapport à ça. L'autre chose, on ne parle absolument pas des effets collatéraux. Et je pense qu'ils sont significatifs, parce que c'est clair que si on regarde uniquement avec une lunette très étroite, on peut voir une diminution effectivement du trafic qui va être potentiellement plus ou moins fort en fonction de la catégorie de passagers et de la distance. Mais quels sont les effets qui sont collatéraux à ça et quelles sont l'importance sur l'économie et sur les autres aspects qui sont à traiter par rapport au développement aérien? Et ça, nous n'avons aucune mention dans le document, et un seul, j'en citerai qu'un seul, parce que je pense qu'il est intéressant, c'est la particularité de l'aéroport de Bâle. Dans l'ordonnance, celle qu'elle est écrite aujourd'hui, il est simplement marqué que la taxe sera applicable sur les vols sur les voies de trafic suisse. EasyJet à Bâle, on est 60% du trafic, et exclusivement, pratiquement, pas exclusivement, mais à 98% sur les droits de trafic suisse. Et aujourd'hui, on le fait parce que simplement c'est plus simple pour nous en tant que compagnie suisse. Mais les accords bilatéraux nous donnent parfaitement le droit de voler sur les droits de trafic français pour aller sur l'ensemble de nos destinations. En plus, EasyJet possède un AOC autrichien, européen, et un AOC britannique. Donc on a une flexibilité totale de mettre en place le droit de trafic, parce que le but, c'est vraiment d'aller de A à B avec le système le plus simple. Que va-t-il se passer si toutes les compagnies aériennes à Bâle opèrent sur les droits de trafic français? Ça veut dire notre compétition. La compétition sur laquelle nous, on doit finalement se battre au quotidien, va avoir finalement la possibilité d'opérer les vols avec 30 francs de moins, et comme il était dit par M. Cook, 30 francs, ça peut représenter 50%, voire plus, du billet d'avion. Qu'est-ce qui va advenir de notre société en Suisse si je ne fais pas l'adaptation de mes tarifs en prenant des droits de trafic français? Ça va disparaître, aussi simple que ça. J'ai aucune chance de pouvoir maintenir mon trafic sur une destination si la compétition est 50% plus, moins chère que moi. Impossible. Donc, de facto, l'aéroport de Bâle, aéroport français, nous permettra de transiter tous nos vols sur les droits de trafic français. Est-ce que ça, ça a été intégré dans le 1,3 milliard qui a été fait? C'est qu'un aéroport, le troisième aéroport le plus important de Suisse, va rapporter zéro. Zéro au niveau de la taxe CO2, parce que l'ensemble du trafic va quitter le secteur suisse pour transiter sur le secteur français. Or, aucune mention dans le white paper que le troisième aéroport, quand même en termes d'importance, serait totalement dépourvu d'entrée d'argent pour l'État suisse. Donc, on voit bien cet exemple et de ses effets collatéraux. Oui. Je peux vous demander d'essayer de conclure, parce qu'on a encore 3-4 orateurs qui doivent parler, plus la discussion. Merci. Je ne vais pas être biaisé là. Pas de problème. Alors, je vais conclure, c'est simple. Donc, en fait, l'application de la taxe est une fausse bonne idée. Par définition, on nous dit qu'on va estimer environ entre 300 millions et entre 300 000 et 1,3 millions finalement de tonnes de CO2 d'introduction. EasyJet, l'année passée, a compensé pour 3,4 millions, à peu près trois fois la taxe,
dans des projets au niveau de l'offsetting de carbone. Donc, on a fait déjà 3 fois plus que la taxe va nous amener. Et pourtant, dans cette démarche, nous n'avons eu aucun effet négatif sur les retombées par rapport à nous. Alors, en gros, simplement, la taxe aura un effet sur les taux de remplissage, mais en avion, moins plein avec des personnes qui payent plus cher mais pas plus vert. Malheureusement, il n'a aucun bénéfice sur le CO2. Il encourage les comportements de détournement. Les gens de Zurich prendront leur voiture pour prendre l'avion à Bâle. Il introduit une discrimination sociale parce qu'évidemment, plus la taxe est chère, moins les personnes finalement les plus démunies seront empêchées de voyager. En plus, elle faussement attaque le court courrier, alors qu'on sait que 2/3 des émissions de CO2 sont faites par le long courrier. Tout ça pour arriver à une solution qui ne permettra d'économiser 0,001% au niveau des émissions de CO2 dans l'aviation mondiale. Donc, c'est un gros sujet pour une goutte dans l'océan, malheureusement. Merci, Monsieur Thévenard. Nous commençons à dépasser sérieusement le temps. Je vais donner la parole tout de suite à Guizhou van der Goot, à Adrien Legrain et à Blaise Matet, en demandant aux intervenants qui viennent d'être de respecter les 5 minutes qui leur avaient été accordées. Guizhou est vice-présidente pour la transformation responsable à l'EPFL. Elle est docteure en biophysique moléculaire, directrice du laboratoire de biologie cellulaire et membranaire de la faculté de la science de la vie. Elle a été doyenne de la Faculté des sciences de la vie et, comme je l'ai dit, est vice-présidente nouvellement nommée pour la transformation responsable à l'EPFL. Guizhou, je te donne la parole. Merci beaucoup. Donc, ça va être un peu un changement de sujet. Donc, l'idée, c'était de vous parler un peu de ce qu'on essaie de faire à l'EPFL concernant les voyages professionnels. Donc, c'est basé surtout sur des études qu'on a faites dans la Faculté des sciences de la vie quand j'étais doyenne là-bas, et Adrien fait partie de l'équipe durabilité des sciences de la vie. Donc, une première étude qui a été faite, c'est d'essayer d'estimer sur quelques labos pilotes quelle est l'empreinte carbone d'un laboratoire. Et là, on parle de laboratoires qui sont très lourds en équipement, en plastique et choses comme ça, donc des laboratoires expérimentaux. Et la grande surprise, c'était qu'en fait, sur un laboratoire standard, 50% de l'empreinte carbone d'un laboratoire, c'est en fait lié au voyage professionnel. Et donc, l'équipe durabilité de PFL a fait depuis de nombreuses années toute une étude sur le voyage professionnel. Et au niveau de l'EPFL, globalement, la contribution des voyages professionnels, c'est à peu près 30%. Et donc, ils ont lancé une étude pour essayer de comptabiliser les voyages des différentes personnes sur le campus, donc parmi les 6 000 employés. Et puis, chez les chercheurs, de regarder s'il y avait une corrélation entre la productivité académique avec différents indicateurs. Alors, on peut penser ce qu'on veut des indicateurs, et j'en suis pas une fan. Mais en ayant pris 20 indicateurs différents, quand même, on a quand même une représentation de la productivité académique d'un chercheur. Et puis, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucune corrélation entre l'empreinte carbone d'un chercheur et sa productivité académique. Et ça va vraiment à l'encontre de la perception des professeurs et des chercheurs, et en particulier des plus jeunes chercheurs, qui pensent que pour réussir, il faut absolument voyager énormément, aller à énormément de congrès, etc. Et on est en train d'étudier aussi s'il y a une corrélation avec la promotion de ces professeurs. Donc, ce qui ressort de ça, c'est qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'aller à tous les congrès autour du monde pour réussir en sciences. Et en fait, il y aurait même une corrélation plutôt potentiellement inverse, où voyager moins permet de plus se concentrer sur sa recherche, de mieux encadrer ses étudiants et d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle meilleur. Donc, ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est des directives qui sont des guidelines, donc c'est sur des bases volontaires, pour inciter les personnes à réfléchir quand on les invite quelque part, si réellement
c'est nécessaire d'y aller, de mettre en place tous des systèmes de vidéoconférence. Alors ça, c'était avant le Covid, et puis pour certains, c'était quelque chose qui était tout à fait envisageable et qu'il fallait faire. Pour d'autres, c'était impossible, et le Covid, dans ce sens-là, nous a beaucoup aidé que, en fait, c'est possible d'avoir des conférences à distance. Et je pense vraiment que l'avenir, ce sera des conférences hybrides où certaines personnes iront, d'autres n'iront pas. Et ça contribuera aussi à une science plus partagée et puis plus juste, et aussi dans l'équilibre vie professionnelle, vie privée, parce que les femmes professeurs, par exemple, sont souvent obligées de refuser d'aller à des congrès parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer à cause de leurs enfants. Ça leur permettrait de participer sans se déplacer. Donc, on a mis en place ces guidelines, et l'idée maintenant, c'est de les généraliser au niveau de l'EPFL avec une politique de voyage qui incite à prendre davantage le train quand c'est des courtes distances, et puis de réduire le nombre de vols transatlantiques ou intercontinentaux. Donc, j'ai bien entendu que Monsieur Talman et Cook disaient que ça n'allait pas changer grand-chose, mais peut-être qu'en attendant qu'on ait vraiment une aviation décarbonée, pour le bénéfice de la recherche et le bien-être des chercheurs, une diminution du voyage professionnel sera largement encouragée et je pense bénéfique. Donc j'espère que j'ai tenu mon temps et je vais passer la parole à Adrien. Merci beaucoup, Guizou. Et on passe la parole à Adrien, qui, avec Nicolas, est le cofondateur du Zero Emission Group à l'EPFL et qui représente la jeune génération. Adrien, vous êtes là? Oui, ben merci beaucoup, Yves Flores, pour l'invitation, de m'avoir proposé de représenter Zero Emission Group aujourd'hui, qui est l'association à l'EPFL qui fait la promotion des solutions face au changement climatique. Je pense que c'est intéressant que je puisse réagir un petit peu en fin de débat, où il y a eu à la fois toute la discussion sur la taxe carbone, et en même temps aussi on a eu l'approche de Guizou Van der Goot qui expliquait comment essayer de développer des alternatives dans le milieu académique. Donc peut-être d'abord sur la taxe CO2, je pense que c'est quand même pertinent d'avoir un message politique qui rappelle qu'il y a une urgence climatique qui a été quand même mesurée depuis des décennies, le niveau de l'eau qui monte de façon exponentielle, qui sont des mécanismes qui ont une certaine inertie, qui nécessitent vraiment d'avoir des messages politiques assez forts et assez... maintenant ça devient urgent, quoi. Donc je pense que c'est pas mal. Effectivement, comme ça a été discuté sur les vols long courriers, on pourrait à la fois dire que cette taxe elle est un peu sous-estimée. On arrive à des chiffres par tonne CO2 qui sont plutôt faibles. Et comme disait Nicolas, je pense que cette taxe, quelque part, c'est un peu plus le symbole qu'elle envoie que à quel point elle a été bien calculée. Et si ça peut permettre de la faire accepter plus vite, je pense que ça permet d'avoir le discours assez rapidement. Maintenant, je pense qu'une taxe, ce n'est pas suffisant parce que, comme disait par exemple M. Cook, c'est important d'accompagner l'industrie et de lui donner les moyens de créer la transformation nécessaire. Et justement, parce que cette transformation est extrêmement ambitieuse et va nécessiter des disruptions de connaissances exceptionnelles, il faut vraiment donner les moyens à tout secteur industriel d'atteindre des objectifs. Et je pense que la première chose à faire, c'est peut-être de leur montrer le budget CO2 qui doit être distribué à cette industrie, donc c'est-à-dire les émissions CO2 qui pourraient être émises jusqu'à 2050. Et une fois que les acteurs industriels savent on a tel budget qu'on doit respecter, ça va vraiment les stimuler. Et j'ai un exemple très concret, c'est l'équipe de Supaéro Décarbo, donc c'est des ingénieurs et des managers du secteur aérien en France qui ont écrit un rapport. Ils ont défini le budget CO2 pour l'aviation en France et ils sont à la fois très lucides sur les questions climatiques, mais aussi passionnés par l'aviation, et leur but, c'est de faire voler des avions toujours en 2050. Et donc, une fois que c'est ces personnes-là qui peuvent avoir du leadership sur comment est-ce qu'on va respecter ce budget carbone, ils essaient de trouver des trajectoires où il y a quand même, je ne vais pas dire une croissance stimulante économiquement, mais on conserve une activité dynamique économique de ce secteur avec des scénarios de transition technologique et d'efficacité. Mais il faut savoir que si on ne donne pas vraiment les éléments de connaissance
tout de suite aux bonnes personnes, ça, on n'y arrivera pas parce qu'on voit bien les chiffres de gains d'efficacité sur les dernières décennies. Ils étaient nettement inférieurs à ce qu'on devrait avoir sur les décennies à venir. Donc vraiment, il y a plus qu'un dialogue là, à engendrer. Mais ce qui est sûr, c'est que la taxe ne donne pas le leadership à l'industrie. Et peut-être pour terminer, je pense que la taxe ne fait pas tout. Et c'était ça qui était intéressant, je pense, dans le discours de Guizou. C'est montrer des alternatives. Plutôt que de se dire, oui, on va essayer de mettre des prix très élevés sur les vols long courrier. Dans le milieu professionnel, il y a vraiment des vrais leviers à activer pour faire prendre conscience aux personnes qu'elles peuvent avoir des façons différentes de se déplacer. Effectivement, nous, on en fait l'expérience à l'EPFL. On a réalisé un questionnaire où il y avait plus de 50% des répondants sur une grande partie de la communauté qui disaient être prêts à diviser par deux leur voyage professionnel dès le retour après le Covid. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau des entreprises, par exemple, sur la question des voyages d'affaires qui concernent surtout les longs courriers et donc qui, comme ça a été mentionné par M. Tevna, représentent deux tiers des émissions. Donc, voilà, je pense une taxe, c'est intéressant comme message politique, mais ce qui serait surtout intéressant, c'est d'activer des vrais leviers concrets par d'autres mécanismes. Merci, Adrien. Et finalement, pour clôturer ce tour d'horizon qui est déjà très complet et que je demanderai après aux intervenants, aux auteurs du white paper, de résumer de manière aussi concise que possible, Monsieur Mattei, Blaise Mattei, le directeur général de la Fédération des entreprises romanes de Genève, je vais plutôt demander d'intervenir dans la vision plus globale, de prendre un pas en arrière. C'est la vision de l'économie, mais pas de l'économie directement concernée par l'aviation. Monsieur Mattei est membre des comités d'économie suisse et de l'Union patronale, de l'USAM également. Il est également, il a des fonctions dans l'Organisation internationale des employeurs, au Bureau international du travail, à la Conférence internationale du travail. Monsieur Mattei, vous avez la parole pour nous donner votre vision sur les éléments de ce débat qui est très polarisé. La parole est merci, à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à partager une vision, disons, plus globale de l'économie. Donc, je représente ici 45 000 entreprises de Suisse romande, de tous horizons, et certaines de ces entreprises, et en particulier sont membres de ma fédération, je vous en remercie d'ailleurs. Mais il y a évidemment d'autres types de membres au sein de nos organisations, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat sur le CO2 a été très, très vif. Il a été vif dans la partie de la conception de la loi, l'historique a été rappelé il y a quelques minutes, il est encore vif maintenant s'agissant des prises de position à l'égard de cette loi, ce qui touche bien entendu la dimension de la taxation de l'aviation, et s'agissant de la campagne qui est en cours pour l'acceptation de cette loi. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous avons, comme dans toute affaire de cette nature, des gens qui se considèrent comme potentiellement des gagnants. Je pense en particulier à tous les milieux de la construction, qui voient là l'opportunité de procéder à des transformations sur la durée du parc immobilier suisse, et puis d'autres qui, très légitimement, comme ça vient d'être expliqué, se considèrent comme des perdants. Donc, en fait, et là, je crois qu'il faut être tout à fait clair, cette loi sur le CO2 ne peut pas satisfaire tout le monde et ne satisfera pas tout le monde, point. C'est d'ailleurs le propre même d'une loi comme celle-ci et comme de tant d'autres lois qui prennent en moyenne 10 à 15 ans pour être élaborées. Sauf que, finalement, il y a quand même une problématique d'engagement par rapport à la dimension climatique qui se doit d'être prise en considération. Et je vous rappelle, parce que je viens d'écouter avec beaucoup d'attention ce qui a été dit sur les entreprises, qu'en matière de consommation d'énergie, l'Agence pour l'énergie, qui a été mise sur pied par les milieux économiques, a déjà obtenu de longue date de très, très bons résultats en la matière. Donc, j'ai pour habitude de privilégier cette approche volontariste qui donne de bons résultats à des approches réglementaires ou à des approches fiscales, en l'occurrence des taxes d'orientation. Ceci si l'on considère qu'il faut atteindre un objectif en matière de réduction des émissions de CO2, ce qui est le cas, et je crois que c'est le fondement de toutes les mesures qui peuvent être envisagées. Après, on peut discuter de leur pertinence, de leur ampleur, mais le fond du problème, ça reste un engagement par rapport au climat et par rapport à la nécessité de réduire nos émissions de CO2. La Suisse a pris cet engagement, c'est un engagement international. Elle le traduit avec une loi qui, comme je l'ai dit, est une loi
imparfaite et demeurera une loi imparfaite. J'aimerais simplement ajouter que le débat demeure à l'heure actuelle encore très vif dans l'ensemble des milieux économiques et qu'il sera tranché par la population. Alors les craintes, vous les connaissez. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que la loi ne va pas assez loin et de l'autre, il y a ceux qui considèrent qu'elle va déjà trop loin. Dès lors, la majorité s'est dégagée pour dire cette loi est une loi acceptable en l'état. Ça n'est pas à l'unanimité que ces décisions ont été prises, mais c'est à une majorité assez claire, en tout cas en ce qui concerne notre fédération et l'économie suisse, ça a été plus débattu au sein des PME. Vous le savez aussi, cette loi sur le CO2, ça n'est pas une loi facile à accepter pour des questions de déplacements régionaux. Si vous parlez avec des gens qui sont dans les vallées alpines, l'implication que ça aura sur le prix de l'essence en particulier n'est pas négligeable. Donc, je crois qu'il faut faire toujours très attention à bien mesurer que ce qu'on voit, nous, dans des centres urbains, ce n'est peut-être pas ce que ressentent les gens ailleurs. Et ça me paraît très important à rappeler. Il y a un effet avec cette loi, selon les modalités qui seront finalement arrêtées, il y a un effet sur la compétitivité de la Suisse. Messieurs Cook et Telna l'ont très, très bien montré. Il y a une question d'emploi. Déplacer des emplois de l'aéroport de Genève à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon, précisément pour les mêmes raisons que celles... Excusez-moi, je suis un peu dérangé. Pour celles qui ont été évoquées à propos de l'aéroport de Bâle, ça n'est pas une solution. Donc, il y a des réalités très, très, très locales, très régionales, pour un petit pays comme la Suisse dont on doit tenir compte. Et ça veut dire que, au fond, tout ceci n'a de sens et de pertinence à long terme que si l'on travaille de manière coordonnée avec les États qui nous entourent. Autrement, j'ai peine à imaginer qu'on puisse faire cavalier seul en Suisse en étant complètement déconnecté de ce que les autres font. Alors, bien sûr, il y a d'autres mesures prévues en France, on les connaît, il y a notamment ces restrictions sur les vols. Tout ceci, on verra si ça se met en place ou pas. Et ça pourra être un élément d'une coordination améliorée. Voilà, un point encore s'agissant des emplois. Toutes les mesures qu'on prend, elles ont des effets sur l'emploi. Alors, il y a ce qu'on appelle la discussion générale sur la nécessité de transformer nos économies vers des emplois plus verts. C'est très bien. C'est notamment le sens de l'action menée par le Bureau international du travail dans lequel je suis très actif. Je partage complètement cette approche. Il y a cependant toute la question de la transition des formations. En cette période de Covid, c'est un élément absolument fondamental auquel nous sommes confrontés. Il y a des pans entiers des activités économiques qui sont à l'arrêt. Est-ce qu'on va pouvoir transformer un certain nombre de personnes avec leur formation de base pour les amener vers une autre formation, et ceci dans quel marché? On ne le sait pas. Ces questions, globalement, dans l'étude, mais ça n'est pas une critique en particulier à l'égard de l'étude, un problème que j'ai rencontré cette semaine aussi dans les discussions sur les plans d'aménagement du territoire, cette dimension-là est totalement absente de l'étude. Et je pense qu'on ne doit plus maintenant se passer de cette dimension dans la discussion si l'on veut réduire un certain nombre de choses, car c'est l'objectif qui est poursuivi. Alors, il faut voir ce que ça a comme implication sur l'emploi et sur le type d'emploi. Ça n'est pas fait, je le regrette. Je pense qu'il faut maintenant mettre dans des études de cette nature, mais je pense que vos prochains papiers le feront, des aspects de périphérie qui sont assez largement négligés, encore une fois, tant par le papier que j'ai lu que par d'autres, malheureusement, ai-je envie de dire. Et je m'arrêterai là pour en terminant en disant que je crois beaucoup à la technique. Je pense que l'idée d'un fonds est une bonne chose dans cette perspective-là, dans une perspective qui doit être celle, évidemment, d'une compétitivité environnementale et économique améliorée, parce que ça donne ensuite une assise sociale. Merci. Merci beaucoup, M. Maté. Merci d'avoir pris de la hauteur, si j'ose dire, en parlant de l'aviation. Alors, je propose maintenant que tous les orateurs réactivent leur caméra de façon à ce qu'ils soient visibles. J'observe que nous avons largement dépassé le temps, qu'il ne sera guère possible d'entrer en véritable discussion avec le public. Par contre, il y a déjà toute une série de questions sur le Q&R, sur les questions-réponses, auxquelles les auteurs pourraient déjà essayer d'apporter réponse. Et je propose de donner la parole à Philippe Thalmann et ou Dominique Rohner, les auteurs de les études ici représentées, pour leur première réaction.
Philippe, Dominique. Vas-y, Philippe. Merci. Réaction au QR ou bien réaction à ce qui a été dit Réaction d'abord à ce qui a été dit, À ce qui a été dit, volontiers. Ouais. Alors, par rapport, moi, il faut que je réagisse à cette hypothèse de parti, enfin, c'est critique d'un parti pris dans ce white paper, là, la remarque de M. Cook, puisque quand même, notre, peut-être ça n'a pas été bien expliqué dans l'introduction, mais notre parti pris, c'est que nous nous situons dans le contexte de la loi CO2. La loi CO2 a un objectif de réduction d'émissions qui inclut l'aviation dorénavant. Et par conséquent, il y a un instrument qui a été mis en place, une taxe sur les billets d'avion. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nous qui faisons, on n'est pas des avocats de cet instrument. On a juste évalué quel est l'impact de cet instrument prévisible sur les émissions de CO2, sur le transport, éventuellement une recette générée par cet instrument. C'est vrai que nous n'avons rien dit sur les impacts sur l'emploi, sur l'économie, sur le commerce international, etc. Donc, ce n'est pas une étude complète, c'est une étude que nous faisons à bien plaire à côté de nos autres activités. Ce n'est pas une étude qui doit se prononcer sur l'importance de l'aviation pour ou contre, c'est uniquement quel est l'impact prévisible de la taxe prévue dans la loi sur le transport, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme effet. Donc, c'est une information que nous donnons là-dessus. Voilà. À part ça, je relève quand même aussi que M. Cook, qui a beaucoup critiqué cette proposition de taxe, vous ne connaissez pas très bien cette proposition. Je relève déjà que la moitié de la recette est redistribuée à la population parce que c'est une taxe et pas un impôt, donc il n'y a rien du tout qui rentre dans les caisses de l'État. Précisément parce qu'on veut éviter ça, c'est une taxe d'incitation, qu'il y a une partie, ça a été dit, qui sera utilisée pour aider le transport aérien à améliorer sa performance, qu'il y a une prise en compte à travers la taxe de la performance des avions, c'est-à-dire que la taxe va être modulée, elle peut être réduite pour les avions particulièrement performants, c'est prévu dans l'ordonnance, donc ce que vous exigez, ça va se faire. Que d'aller simplement interdire les avions les plus polluants en Suisse, ça va simplement faire qu'ils seront utilisés sur d'autres lignes. Ce qui ne sera absolument pas bénéfique, ça sera très bien pour nous et la pollution de l'air près des aéroports, mais ce ne sera pas génial, ça ne fera pas grand-différence pour le climat. Et puis finalement, je relève quand même que la taxe sur les billets d'avion en Angleterre est aussi élevée, voire plus élevée que celle qui est proposée pour la Suisse. Donc la Suisse n'est pas en train de faire cavalier seul ou d'être particulièrement rétrograde, en tout cas pas par rapport à l'Angleterre. C'est le double. L'Angleterre, c'est 17 francs, on propose 30 francs. Par contre, sur le premium, alors c'est le double en Angleterre par rapport à la Suisse, c'est 240 francs. Mais je vous ai dit que j'étais en faveur de ça, que le 120 francs ne va absolument rien faire pour empêcher le voyageur business qui paye 5000 francs, mais il s'en fout de payer 30 francs. Ah oui, tout à fait. Donc là, on est d'accord. Ce serait plutôt 500 francs qui seraient impliqués. Même plus qui paye, c'est sa compagnie. Donc, ça ne va rien faire du tout. Et en ce qui concerne de pousser les avions qui polluent dans d'autres destinations. Je pense que justement, si la Suisse monte du leadership, pour une fois, peut-être que d'autres pays suivront et que, par exemple, l'Europe et d'autres pays pousseront dans ce sens-là et que, justement, il y aura moins d'avions polluants partout. Il y a des pays aujourd'hui qui déjà n'admettent pas des avions de plus de 20 ans. Ça existe déjà dans certains pays. Donc, je ne vois absolument pas. Je pense que si justement la Suisse prend un peu un leadership et dit, voilà, nous, on veut des avions qui ne sont pas polluants, on montre l'exemple. Je vois qu'il y a quand même une question du public qui je pense qu'on pourrait relancer vers vous, M. Cook, ou plutôt vers vous, M. Thévenet, en premier. La question, parce qu'elle est sous-jacente à tout ceci. Vous avez parlé de décroissance. La question qui est posée, c'est décroissance versus technologie. Est-ce qu'il est judicieux d'opposer la réduction du trafic aérien et les gains énergétiques des avions? Est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'ambitionner les deux? Ou en d'autres mots, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que la croissance de la demande va continuer et qu'on va réussir à atteindre les objectifs avec cette croissance de la demande? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer quand même qu'on travaille certainement autant que possible avec les moyens technologiques et les encouragements des appareils efficients, mais simultanément qu'il faut une certaine modération de la demande, au minimum dans la transition jusqu'à ce que ces nouvelles technologies arrivent? Alors, je n'ai pas d'opposition sur le fait d'avoir une imposition si elle est en relation avec les émissions de CO2. Or, ce n'est pas du tout le cas de la taxe. Nous proposions, et d'ailleurs EasyJet l'a fait déjà à plusieurs reprises, d'avoir une taxe sur le carburant, par exemple, mondiale, pas en Suisse, de vouloir finalement se verdir l'esprit
en estimant qu'en Suisse, on sera finalement, on va se flageller un petit peu et puis finalement, on va être exempt. Mais on va être exempt de rien du tout avec cette taxe. C'est ça qui est gênant. Par contre, si on devient les pionniers d'une imposition qui sera beaucoup plus généralisée au niveau européen, en tous les cas, voire mondial, on aura progressé. Et il faut que l'argent qu'on met dans ces taxes-là revienne à l'aviation pour faire en sorte que cette aviation, demain, devienne totalement propre. Et c'est ça, la taxe ne va pas dépolluer l'atmosphère, elle va peut-être en faire moins, mais comme vous dites, avec l'augmentation du trafic, ça va finalement neutraliser tout ça. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'en 2050, les avions soient propres. Et pour ça, il faut des milliards d'investissements dans la technologie et il faut ce qui est redistribué aux assurances maladies va aider en quoi que ce soit la planète au niveau de l'amélioration du CO2, en rien du tout. Donc il faut faire, je suis bien conscient, il faut bien comprendre que le passager qui viendra payer ses 30 francs est un passager étranger, qui n'est pas suisse, et qui aura le choix de choisir s'il le fait ou pas, et ses 30 francs ou 120 francs, se dire la moitié de ma taxe va aider un certain nombre de personnes en Suisse, est-ce que moi, étranger à ce pays-là, j'adhère à ça, ou est-ce que j'adhère à payer mes 120 francs ou X par rapport au carburant pour faire en sorte que demain, l'aviation soit propre. Et c'est ça le message que j'essaie de faire passer. C'est que d'accord, une taxe, mais il faut qu'elle soit globalisée d'une certaine façon pour éviter ces comportements de contournement et surtout qu'elle revienne à l'amélioration des technologies pour que demain, on ait une aviation qui soit propre. Dominique. Oui, merci beaucoup pour ces propos. Juste pour réagir. Donc, je pense qu'on est assez d'accord qu'en fait, le mieux, ce serait que le problème puisse se résoudre par progrès technologique et puis que le plus efficace, ce serait une taxe coordonnée au niveau international. Le problème, c'est que si on a une foi peut-être exagérée dans les progrès technologiques, c'est simple dans le sens qu'on peut toujours dire « Ah, mais peut-être le problème va se résoudre lui-même par progrès technologique. » Si on regarde les derniers 20 ans, 30 ans, le progrès, les gains d'efficacité de niveau technologique fut moindre que l'augmentation de la demande. Si on continue à ce rythme, on va jamais arriver à atteindre quelconque des buts climatiques qu'on s'est fixés dans les accords de Paris, etc. Donc le problème, c'est que il y a progrès technologique, mais à lui tout seul, pas sûr que ça va suffire vu qu'il a été il a été plus petit que l'augmentation de la demande. Après, en ce qui concerne une taxe au niveau mondial, par exemple sur le carburant, si c'était une option réaliste et réalisable à court terme, je ne serais pas forcément contre. Je suis assez d'accord avec vous qu'une coordination, ce serait bien, mais on sait très bien que la coordination risque de prendre 30 ans et pendant ces 30 ans, les choses vont se détériorer. Donc, étant donné qu'on est dans une situation d'urgence où quand on regarde l'augmentation au niveau mondial de CO2 qui est en train d'augmenter chaque année et qui devrait être déjà en chute libre si on veut atteindre tous ces buts climatiques, on peut pas négocier encore au niveau international pendant 20 ans avant de faire ça. C'est ça le problème, c'est un problème d'urgence où peut-être on est obligé de faire des mesures imparfaites plutôt que d'espérer la pilule magique qui résoudra tout dans 20 ans. Mais sans parler de pilule magique, aujourd'hui, d'après ce que votre étude, vous parlez de 16% d'amélioration. Et alors que d'après ce que j'ai regardé, en utilisant les avions de nouvelle technologie, on arriverait également à 16% d'amélioration. Pourquoi pas déjà commencer par utiliser la technologie existante efficace qui est existante. EasyJet prend des A320 Neo qui consomment 15% moins. Beaucoup de compagnies les commandent ces nouveaux avions. Et pourquoi pas inciter les compagnies justement à acheter ces avions et à les opérer sur la Suisse. Déjà, ça ferait déjà 16% de gains. Ce qui est la même chose que ce que vous proposez, mais d'une façon positive où on montre qu'on peut réduire ces émissions de CO2 avec de la technologie et non pas avec cette taxe punitive.
Une fois, nous ne proposons pas la taxe. Nous n'avons pas proposé la taxe. J'insiste un tout petit peu, mais ce n'est pas nous qui proposons la taxe pour réduire les émissions de 16%. C'est le Parlement suisse qui l'a proposé. Nous, on a juste estimé que l'impact pourrait être de 16%. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, effectivement, c'est que c'est ridicule qu'on pourrait obtenir ces 16% autrement, ce que nous ne faisons pas parce que nous sommes neutres, nous sommes objectifs. Mais notez quand même que il y a tout un chapitre d'une quarantaine de pages qui présente toute une série d'autres mesures complémentaires que nous pouvons prendre et qui incluent ce que vous proposez. Mais le but pour nous, ce n'était pas de passer en revue ou de dire quelle était la meilleure mesure. On a juste voulu savoir quel serait l'impact de la taxe proposée par le Parlement suisse à la population suisse. Je ne vous accuse pas, vous. Hein. J'accuse la taxe. Donc, je crois qu'il y a un accord sur le fait que si on pouvait moduler les mesures politiques de manière idéale, on arriverait certainement à des meilleurs résultats, aussi bien en termes de bien-être pour la population qui pourrait continuer à utiliser les avions sans restriction et de résultats sur l'environnement. Alors, il est clair que les réalités politiques sont là et on est parti vers cette taxe. Je crois que c'est très, très éclairant de voir que c'est vrai qu'il y a des mesures technologiques déjà faisables qui arriveraient à un résultat équivalent. Et comme le résultat est certainement insuffisant en termes de CO2, peut-être qu'on peut continuer à se battre et que l'industrie devrait continuer à se battre pour plutôt qu'on aille dans cette direction-là, plutôt que dans une direction qui consisterait nécessairement à augmenter les taxes à l'avenir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que je vois qu'il y a une juste pour répondre à M. Brunner, et je suis parfaitement conscient qu'on a un espace-temps qui est trop long pour amener la technologie par rapport à l'urgence climatique. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions qui soient applicables aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons débuté par faire du offset carbone il y a plus d'une année maintenant et que nous l'avons continué durant la période de Covid, simplement parce que c'est essentiel pour nous de commencer tout de suite à faire. Or, la partie offset est complètement négligée, tout le monde la critique, alors que c'est un moyen aujourd'hui concret et avec des projets qui sont parfaitement adaptés de faire du retrait de carbone par rapport à des émissions qui sont faites dans le monde et qu'on peut économiser. Il faut favoriser ce genre de choses. Mais la taxe n'amène pas ça, malheureusement. C'est ça mon problème. Merci, M. Thévenard. Nous avons encore une minute. M. Mathey, je vous donne la parole, si vous la souhaitez, pour le mot de la fin. Écoutez, c'est gentil, je ne m'y attendais pas, mais merci. Je ne voudrais pas terminer un débat qui m'a l'air vif et qui a permis de mettre en évidence beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je peux dire simplement que j'ai envie presque d'être d'accord avec tout ce qui a été dit d'une certaine manière, à savoir d'abord que je salue la démarche scientifique. Alors, le but d'un débat comme aujourd'hui, c'est de compléter dans toute la mesure du possible. Donc, en tant qu'ancien scientifique, je pense qu'il faut accepter le fait que le débat vienne et que sur un certain nombre de plans, on procède à la critique. Sinon, l'exercice en tant que tel ne sert à rien. Et à partir de là, vous pouvez vous défendre, certes, mais j'ai grand espoir qu'on intègre quelques-unes des remarques qui ont été faites, parce qu'elles me paraissent pertinentes, et qu'autrement, enfin, on n'a pas à avoir de discussion de cette nature. Je constate qu'il y a quand même un léger biais, en ce sens que la loi sur le CO2, elle a été adoptée par le Parlement fédéral. Donc, c'est un fait, elle est là, sous réserve du référendum, elle est là. On verra ce que le référendum va donner. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Bon, non pas climato-sceptique, mais sceptique, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de convergences dans ce vote, comme on l'a vu sur d'autres. Et au fond, il n'est pas sûr que cette loi entre vraiment en vigueur. Alors, on verra. Supposons qu'elle n'entre pas en vigueur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en tout cas, on ne va pas renoncer à la technique. Ce serait la pire des choses. Donc, il faut qu'il y ait un message qui soit fort en direction de la technique. Est-ce qu'on va aller vers une autre loi plus astreignante que la loi qui est proposée maintenant? Ce n'est pas possible de l'imaginer, parce que je ne pense pas que la majorité ira dans ce sens et que les analyses post-votation montreraient le contraire. Donc, voilà, j'aimerais simplement dire aux uns et aux autres que, une fois encore, la politique, et j'en ai fait quand même pendant un certain temps, la politique, c'est profondément insatisfaisant pour tous ceux qui sont en dehors. Et c'est terriblement dur pour ceux qui sont à l'intérieur. Parce qu'imaginez-vous, comme parlementaire, quand on vous entend les uns les autres, qu'il faut réconcilier tout cela et le traduire dans un texte, à l'instar d'un white paper, mais un white paper extrêmement court avec quelques articles de loi. Croyez-moi, l'exercice n'est pas simple. Donc, manifestez un peu de tolérance à l'égard de l'exercice politique, dont l'ambition doit être, avec tous les moyens, de permettre, je l'ai dit et je le répète, d'atteindre les objectifs environnementaux pour lesquels nous nous sommes engagés et qui sont légitimes et qui sont le reflet d'une véritable demande. J'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs maintenant, je peux vous dire qu'ils vont dans ce sens-là,
qui sont donc le reflet d'une demande sociale forte, tout en maintenant cette perspective de compétitivité économique qui a été rappelée par messieurs Cook et Thévenin et qui est absolument fondamentale. D'ailleurs, comme vous faites un mariage entre la technique et l'économie dans ce groupe, eh bien, je crois que vous y arriverez très certainement et que vous pourrez remettre encore un peu plus de pondération dans les éléments qui ont été apportés par la discussion. Merci, et puisque je peux terminer avec ça, merci à toutes et à tous pour cette très intéressante et très enrichissante discussion. Merci en mon nom à vous-même, M. Mattei, à tous les intervenants, et en mon nom et à celui de l'équipe de I4S, et bien sûr que nous nous engageons à accepter que le débat vienne. Ce débat était éclairant et vif. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci.